Allez hop, c'est parti pour faire une petite balade en vélo électrique avec assistance. Donc, j'ai ma batterie d'overboard que j'ai bien connectée sur le contrôleur par l'XT60. Donc, avec le 4 pas, je n'ai pas de contrôle, pas de bouton, pas de poignée de gaz, rien du tout. Tout est automatisé avec rien qu'avec les pédales. Donc l'assistance se fait au pédalage. Tac. Allez hop, c'est parti pour un tour. Et alors je règle la caméra. Hop. Pour qu'on voit un petit peu. Allez hop, c'est parti. Donc là, je suis en assistance au pédalage électrique. Donc là, c'est encore musculaire. Là, je commence à sentir l'assistance électrique se mettre en route. Du coup, là, je force moins sur les pédales déjà. Ça y est, le moteur est parti. Maintenant, je suis en assistance électrique. Alors, j'ai remarqué que l'assistance ne démarre pas tout de suite. Elle démarre à peu près au bout de 5 à, de 5 à 10 mètres. Le temps qu'on pédale en fait. C'est pas directement tout de suite. On attend un petit peu en fait. Donc là, je suis sur une route, une petite montée là. Et on va faire un tour en campagne vite fait. Alors je sais pas si on entend le moteur. On n'entend pas trop, mais je le sens au niveau des pédales. Hein, je force pas beaucoup. Hein. Alors c'est agréable hein, en fait un vélo assisté. On sent que ça commence à monter dur là. Je vais changer de rapport de vitesse. Ah, c'est mieux là. Alors en fait, quand je change les rapports de vitesse, je pédale beaucoup plus vite. Donc du coup, le moteur accélère. En fait. Alors je sais pas si c'est comme ça sur les vélos électriques normal. Comme là, j'ai pas du tout de commande de niveau d'assistance. Tout se fait automatique. Allez, vélo électrique légal, 25 km/h avec assistance électrique au pédalage. Donc ça marche plutôt bien, je force pas trop sur les pédales, mais je suis quand même obligé de pédaler, sinon l'assistance se coupe.
C'est plutôt efficace, hein. Je force carrément pas sur les pédales. Mais je suis quand même obligé de pédaler un peu. Ce qui est bon pour l'autonomie, ça. Étant donné que le moteur, il force pas. Donc c'est une installation au plus simple possible. On va arriver à une croisement, là, va falloir que je fasse demi-tour. Tac, c'est parti. Alors l'assistance est coupée là. Là, je force. Hop, c'est l'assistance commence à venir là. Et hop, c'est bon, c'est parti là. Là, donc j'ai l'assistance qui s'est mise en route. Elle se met pas automatiquement tout de suite, ce qui est bien, ce qui fait que n'y a pas besoin du moteur dès le début. Donc c'est plutôt bien. C'est vrai qu'il vaut pas mieux l'assistance au départ parce que. Si on fait que quelques mètres, il n'y a pas besoin de mettre le moteur. Donc le contrôle réagit plutôt bien en origine comme ça là. Bon allez, on va essayer de tenter dépasser les 25 km/h en mettant le plus gros plateau, et mettre les vitesses un peu plus courtes, un peu plus longues plutôt. Tac. Bon là, l'assistance s'est coupée parce que j'ai changé le rapport pédalier en fait. Donc c'est normal qu'il s'est coupé parce qu'il la vitesse de rotation du pédalier a changé. Donc l'assistance est coupée là. Il va falloir que je pédale un peu plus vite pour qu'elle se remette en route. Allez, c'est parti. On la sent, mais on la sent pas beaucoup, hein. C'est peut-être normal parce que, étant donné que je suis en 36 volts, il se peut que j'ai déjà dépassé la vitesse de rotation du moteur. Donc il n'y a plus d'assistance. Enfin, le moteur est lié, mais étant donné qu'il est déjà en son régime maximal, il n'y a rien qui se fait. Donc, je vais repasser en petite vitesse, en plateau inférieur. Ah, ça y est. Là, le moteur est reparti. Donc
On est bien à peu près à 25 km heure, hein, même si on change de rapport de vitesse. Donc c'est tout à fait normal puisque la rotation du moteur ne permet pas d'avoir une vitesse supérieure. Ça veut dire qu'on est déjà au plafond maximal du moteur. Donc on est dans les clous, 25 km heure, avec changement de rapport ou pas. De toute manière, on est à fond. Allez hop! L'assistance est coupée là, étant donné que je pédale plus. Et là, on est dans la petite légère descente. Bon ben voilà le petit vélo pas cher avec assistance électrique. Avec un moteur de hoverboard.